town, boy, run. And me will end your week just like a Sunday. Bonjour à tous, c'est DJ Grandin, on se retrouve pour cette vidéo, pour cette DJ détente, découvrons Dota 2. Alors Dota 2, enfin déjà, est-ce que vous allez bien? Moi ça va bien, je ne trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est bizarre. Bref, donc Dota 2, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu League of Legends. Je vais tout de suite créer une salle, je vous expliquerai un petit peu parce que c'est long, on peut modifier les paramètres. Parfait. J'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps, donc je suis désolé, mais je vais devoir cheater un petit peu au début de la partie seulement. Donc, je vous disais, Dota 2, c'est un jeu un petit peu à la mode League of Legends, mais je préfère franchement Dota 2 à League of Legends, même si je n'ai jamais joué à League of Legends. J'ai entendu plein de choses dessus et tout, et franchement, voilà. Alors, on a plein de personnages au choix. Moi, je vais prendre un personnage que j'aime pour pouvoir un peu le contrôler et tout. Après, je suis désolé si c'est un personnage que vous aimez pas, si vous connaissez bien sûr Dota, je ne sais pas. Enfin, voilà, j'ai pas du tout d'objet. Ok, jouer. Donc oui, si vous connaissez Dota 2, vous allez pas forcément aimer ce jeu, mais c'est pas grave. Alors, je vais un petit peu cheat au début. Je vais me prendre un petit peu d'argent. Parce que je suis comme ça moi. Et un petit peu de niveau. C'est-à-dire, comment on fait déjà? Comme ça je crois. Il y a 25 niveaux en tout, donc moi je vais m'améliorer au 5ème niveau, enfin je vais me donner 5 niveaux, comme ça je suis au niveau 6. Et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau 6? Améliorer notre capacité spéciale. Voilà, donc moi je vais quand même améliorer un petit peu tout, puis encore 2. Ah oui merde, je sais pas trop ce que ça sert. Voilà, on est des malades. Donc. Ce jeu est super sympa. C'est Anthony qui me l'a fait découvrir il y a une semaine. Donc petite dédicace à toi Anthony. C'est un jeu que j'aime bien, que je joue quand j'ai envie de me poser tranquillou. Le but c'est d'assaillir les méchants. Donc ici c'est un petit peu leur base. Tout ça là, tout ce qui est en noir c'est leur territoire. Et ces machins là, ces carrés rouges, ce sont des tourelles. Donc ça fait beaucoup de dégâts. Ce truc là que vous voyez sur la minimap là où j'ai ma souris, ça se trouve ici là. Le problème c'est qu'il faut s'approcher pour le voir, et c'est un putain de machin et je vais jamais le battre parce qu'il est trop compliqué à battre. Faut être plein pour le battre. Voilà, alors il y a un petit shop, hein, y a un système de shop comme j'ai ouvert il y a 2 secondes. Je me suis give de l'argent pour pouvoir avoir des objets et pouvoir m'améliorer un petit peu les capacités, parce que c'est trop chaud sinon. C'est impossible. Enfin, la partie est trop dure à commencer en fait. Dès qu'une partie elle est commencée, ça va, c'est vite fait. Mais je pense que ça prend genre une demi-heure à commencer la partie et 10 minutes pour finir, je veux dire. Donc pour moi, quand j'appelle commencer une partie, c'est si je prends l'exemple de Minecraft, c'est genre se faire tous les outils, être en mode posé avec une bonne armure en fer et des outils en fer. Voilà, ça c'est ce que j'appelle avoir commencé la partie. Après il y a bien sûr la suite. Donc ici, le commencement, je suis en train de le faire en mode cheat, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, et parce que c'est impossible, ça dure trop longtemps sinon. Voilà. Je prends un petit peu ce qui est important. Qu'est-ce qu'il a dit le con? Magnignum. J'ai pas compris. C'est pas grave. C'est le même truc. Oh les PD. Juste qu'il y en a un qui est moins cher. Genre, bref, je suis méchant. Allez, c'est parti, on va au combat. Qu'est-ce que je pourrais vous expliquer d'autre? Donc c'est vraiment une découverte, donc je vais un peu vous expliquer le but du jeu. Enfin le but c'est de détruire là, hein, bien sûr. Il y a vraiment beaucoup de personnages. Moi j'en ai essayé je pense une dizaine. Il doit y en avoir une centaine je pense. Voilà, donc ça c'est un de mes préférés. J'en ai 3 de préférés franchement. Sur ceux que j'ai essayé je dis, hein. Sur ceux qui avaient la classe et qui
paraissaient vraiment stylés. J'en ai essayé que 3, hein, après, voilà. Alors ça, c'est des... Je vous ai pas du tout expliqué, en fait. Je les ai améliorés et tout, mais je vous ai même pas expliqué. C'est des capacités. Bon, je peux pas utiliser celle-là. Je peux pas utiliser celle-là. Et ça sert à quoi, la F? Je ne peux rien faire avec la... Ah si, j'ai activé quelque chose. Ok, je pense que je fais plus de dégâts avec ça. PVP du familier. Ah! Ok. PV du familier, je suis... Ah ouais, je prends genre trop pas de dégâts en fait. Et je fais... Et je tire plus vite, j'ai l'impression. Je sais pas. Bon, j'ai l'air assez puissant en avant à activer ça, mais en même temps, c'est notre capacité spéciale, j'ai envie de dire. Et on peut l'améliorer une deuxième fois au niveau 11. C'est vraiment un truc de badass. En même temps, je lui fais beaucoup de dégâts. Je pense que... Bon, je suis pas le seul, hein. Ah ouais, non, je comprends pourquoi on lui fait beaucoup de dégâts. Ah, mais je sais ce que c'est ma capacité. C'est de mettre deux autres avec moi, en fait. Je fais trop de dégâts. Je l'ai tué, quoi. Je suis trop cool. Bon, là, je perds un petit peu de vie, j'avoue. Mais bon, vous en faites pas, on peut respawn, hein. C'est pas ça qui me fait peur. Pourquoi je fais aucun dégât, là, par contre? Ah, mais je suis tout seul, j'ai plus ma capacité. Je viens de mourir. Attends, c'était un de mes mecs, ça? Ouais, bon, c'est pas grave. Je viens de mourir, donc voilà, 16 secondes. Enfin, ça devait être 20, hein, à la base. Et on respawn, bien sûr, à notre base. Donc, le but, c'est vraiment d'améliorer ces trucs, de monter de niveau avant d'assaut ici. C'est vraiment compliqué d'assaut ici. Donc le mieux, c'est de tuer les tourelles pour se gagner des levels et tout. Donc là, je suis presque au niveau 7 déjà, hein, voilà. Je vais rien acheter pour l'instant. Je vais continuer à assaut les autres et tout. Pour me faire un petit peu des sous et des levels. Donc après, moi j'ai cheaté. Mais si on cheat pas, bah on commence au niveau 1 et on gagne les sous très lentement. Parce qu'on crève toutes les 2 secondes. Surtout quand il y a trop d'ennemis. Non, on crève pas toutes les 2 secondes, franchement non. Mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils assautent tous là? Tiens, mais crevé quoi. Je peux pas encore activer ça. C'est vraiment ce capacité big offness. Je vais prendre ça. Ce qui est bien avec mon perso là que j'ai, c'est qu'il attaque un peu à distance. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'il peut y avoir tous nos petits gars là qui peuvent être devant lui. Il m'attaquera pas en fait. Tant qu'il y a des petits gars devant, bien sûr. Je vais passer, hein, rester avec eux là, occupez-les, moi je vais aller massacrer des gros gaillards parce que je suis fait pour... bon d'accord. Très bien, vous voulez... Ah parfait, un petit gros gaillard là. Bon allez, on va tuer ceux-là parce qu'ils me gênent. Je sais pas du tout ce que c'est les petites barres qui sont là. Je pense que c'est pour... Ah toi t'es cool toi. Bon, on va plutôt attaquer lui en fait. Oh putain! Ah, plus que 2 secondes, y'a tout le monde qui m'attaque, je vais crever. En fait, ça sert à rien que j'active maintenant, je pense. Ouais, non, j'ai trop pas assez de PV, là, c'est mort. Je vais pas l'activer, parce que... Ça va foutre la merde, je veux dire. Bon, au moins, j'aurais fait pas mal de dégâts. J'ai envie de dire... Ah, quand même, 25 secondes avant de réapparaître. J'aurais fait pas mal de dégâts à la tourelle. Donc, vraiment, le but, c'est d'affaiblir les... C'est de les affaiblir avant d'assaut, ici. Et de gagner des levels pour pouvoir améliorer ses trucs et tout. C'est vraiment ça le but principal. Après, si vous voulez vraiment que votre partie elle dure, vous pouvez vous amuser à monter jusqu'au level 25. Et donc à pouvoir améliorer toutes vos capacités. Parce qu'il y a 25 niveaux et en gros on peut améliorer ça aussi. Jusqu'au... Enfin, il y a un max quoi, je veux dire. Je vais rien t'acheter encore toi. Je vais juste vérifier un truc si j'appuie sur V là. Oh mais what? Ok, ça regène mais... Ok, j'ai fait ça, j'ai fait le con. J'aurais dû regarder. Si j'appuie sur C, ça ne se passe rien. T'es sûr que ça se passe rien? Non, ça se passe rien. Si j'appuie sur X, je sais ce qui se passe d'ailleurs. Je suis en train de me dire... Faudrait peut-être que je le change en bleu. Intelligence. Bah, parce que je suis bien avancé en intelligence en fait. On va faire ça. On va le laisser en bleu le machin. Et ça, on laisse comme ça. Et ça, c'est un ami. Et on se casse. Faut que je finisse cette tourelle. Ah putain, parfait. J'ai mes deux petits gars qui sont venus m'aider. Toi, on s'en bat les couilles, il s'est même barré à côté. Genre en mode, coucou, tu ne me vois pas. Je te vois, hein. Au cas où tu n'aurais pas remarqué. On est en train de la martyriser. D'ailleurs, je suis en train de me faire martyriser. Par la même occasion, je viens de perdre des milliards de dégâts. Ah, c'est pas mal mon truc. Ah non, c'est de la merde. Ça te fait perdre plus vite tes trucs.
Ça t'augmente tes trucs, mais ça te les fait perdre plus vite. Oh putain, j'aurais réussi quand même à massacrer ça. Merci en fait, machin. C'est pas mal utile finalement, je suis en train de me dire. Oh, toi, toi. Ah, j'ai gagné un level. En fait, ça ralentit les persos, ce que j'ai amélioré là. Putain, pourquoi j'arrive jamais à les viser avec cette capacité? En plus, je suis sûr elle est bien. Ah ouais, pas mal, pas mal. Ok, je suis mort. C'est pas grave, c'est pas grave. On est bien là, on est en mode posé. Je joue plutôt bien. Là, j'ai oublié de vous dire, mais là, il y a le temps. Donc, ça fait 7 minutes qu'on est dans la partie. Donc, à mon avis, ça fait environ 9 minutes de vidéo pour l'instant. On est la nuit. Hein, ça nous marque. Ça c'est le temps de régénération des persos. Donc on peut savoir quand est-ce qu'ils régènent. Ou plutôt quand est-ce qu'ils sont morts. Pardon. Voilà, par contre ça va me ramener là-bas. Ce qui est parfaitement chiant. J'aimerais bien rester ici. S'il vous plaît, laissez-moi ici. Allez, allez, laissez-moi ici. Ah fuck, j'étais sûr que ça allait me ramener ici. On trace, on trace, on trace. J'ai pas un truc pour aller plus vite moi. Activé, non j'ai rien activé pour aller plus vite. Donc ça, si vous avez pas compris, ça nous fait augmenter notre truc et tout. Ça l'a fait augmenter d'un seul coup en fait. Genre si on est là avec les PV, ça vient là, mais ça descend plus vite. Donc en fait, c'est vraiment si le perso qu'on veut tuer a presque plus de vie, et que nous non plus, on active ça, comme ça on a plus de vie pendant un petit moment et on arrive à le tuer juste juste. Mais après, c'est sûr qu'on crève, c'est sûr quoi. Mais bon, dans tous les cas, on crève quoi. Parce qu'il nous reste plus de vie, donc je veux dire, voilà. Putain, vous faites chier vous. Mais c'est qu'ils me font perdre beaucoup de PV en fait, ces merdes. Je pensais pas, hein, je pensais pas à ce point, franchement. Alors, par contre, enfin, je pourrais jamais vous montrer tous les détails du jeu, parce qu'il y en a beaucoup trop, et puis suivant chacun des personnages, ça change. Donc, c'est pour ça que... Viens là, toi. Putain, mais quel connard, il se barre tout le temps, là. Je suis blasé, là. Et puis, en plus, si je vais trop là, ça va faire chier. Parce qu'il y a trop de tourelles ici, il y a des milliards de trucs ici qui protègent tout, donc... Je vais attendre qu'ils ressortent. Bon ben, en fait, on va attaquer. Eh, hey, mais il bouge tout seul, mon perso. J'ai envie de tuer lui. Je m'en fous des tourelles. Je vais mourir comme un gros con. En plus, il va aller régénérer sa vie de merde. Putain, laisse bête, il régène sa vie, là. Tiens, si on attaque un petit peu leur base, juste comme ça pour s'amuser. Je peux pas, d'accord, faut genre détruire ces machins au début. Cible invulnérable. Putain, c'est quoi les cibles vulnérables? Bordel! Quelle est la cible vulnérable? Ok, elle est vulnérable. Je me suis baladé genre entre les tourelles, tu sais, en mode j'ai envie de crever. Et c'est ce que j'ai fait. Lol. Bon, réapparition, d'accord, tranquille. Je vais boire un petit coup, les amis, parce que à force de parler, ça... J'ai la bouche sèche. Je sais pas trop ce que je peux vous expliquer d'autre. Oui, quand on est ici, on régène notre vie. Comme vous avez pu voir avec le personnage ennemi, il s'est barré dans sa base pour pouvoir régénérer sa vie. Parce qu'il allait crever, il le savait. Hein, je veux dire, je suis trop fort pour lui. Pardon. Voilà. Ouais, bah arrête de parler. Voilà, après, oui, il y a des échoppes secrètes. Donc là, on est dans une échoppe normale, je viens de dire. Mais il y a des échoppes secrètes qui sont bien, parce qu'on peut avoir des trucs beaucoup plus puissants. Quoi ça sert? Attaque. Ah, la vitesse d'attaque. Ah, ça, c'est bien, ça. Ah, voilà. Échoppe secrète requise, c'est marqué, là. Voilà, voilà. Je regarde un petit peu, vite fait, comme ça. C'est pas mal ça quand même pour la vitesse d'attaque. C'est important la vitesse d'attaque. En fait, il y a tout qui est important. Attends, j'ai déjà ça. Putain, quel pédé. Ils veulent me redonner un truc que j'ai déjà quoi. Ah, c'est cool ça, on a plus de mana. Mana restauré. Oh, c'est pire bien, j'achète. J'ai dit j'achète. Échoppe secrète. Ah, pédé, faut que j'aille à l'échoppe secrète. Je savais que j'aurais dû y aller. Donc l'échoppe secrète, il y en a deux. Il y en a une ici. Je vais aller à elle. Il y en a une ici. Voilà, ici. Et on peut acheter des objets plus rares. Donc c'est pour ça qu'il faut aller dans une truc secrète. Alors ça, je le sais. C'est vraiment Anthony qui m'a tout appris, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que je lui ai fait une dédicace en début de vidéo.
Parce que c'est vraiment grâce à lui que je connais tout ça, j'aurais jamais pu apprendre tout seul. Enfin oui, j'aurais pu l'apprendre tout seul, mais ça aurait été beaucoup, beaucoup plus long. Et je ne vois pas du tout ce que je voulais acheter. Où est-ce que c'est le truc que je voulais acheter? Je sais plus. Mais c'était un truc. Ah, je comprends pas. Pourquoi? Reviens toi. Pourquoi je... Mais ta gueule. Qu'est-ce qu'il y a? Détruit une tour. Rien à foutre, je l'aurais fait moi aussi. En même temps, je l'avais trop fragilisé, t'aurais rien pu faire sans moi. J'en sais rien, je déconne. En fait, j'ai trop pas de... Vitesse. Mana, santé. 200 de santé, 150 de mana. C'est cool ça. On prend ça. Ah ouais, ah ouais. Ça va tout de suite mieux aller là. Je le sens. Je le sens bien là. Là, je pète le feu là d'un coup là. Je pète le feu. Voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, je crois. Je pense. Donc si vous avez envie de partir et de télécharger le jeu gratuitement sur Steam, vous marquez Dota 2 et vous l'aurez. C'est génial. Non, franchement, ce jeu est stylé. Bon, après là je vous montre avec des boots, hein, mais on peut jouer en ligne, on peut jouer avec ses amis, on peut jouer avec sa maman, on peut jouer avec son cul. En fait non, je crois pas. À moins que votre cul soit pire intelligent et qu'il sache taper sur un clavier et une souris. Et regarder un écran en même temps, ce qui m'étonnerait beaucoup puisque notre cul n'a pas de... Bref, je raconte de la merde. cul, merde. Non, ok. Je crois que je vais arrêter de faire des blagues. Je suis pas fait pour ça, moi, je... Non. Bref. Pour être plus sérieux, une partie dure dans les environs 30 minutes, 30 à 40 minutes, plutôt 40. Quand on cheat pas, ça peut aller même jusqu'à 50 minutes. C'est vous dire. Donc voilà. Ah, toi, mon gars, toi, je vais te massacrer. Toi, mon gars, mais toi... Putain, mais quel salaud quoi! Il vient là comme un PD là! Ok, je viens de crever hein, parce qu'ils ont une défense. Nous aussi d'ailleurs. Fontaine. Ok, ça c'est censé représenter une fontaine. Très bien! Autant pour moi! Autant pour moi! Non, franchement, c'est parfaitement conceptuel. J'ai gagné un niveau, tiens, par la même occasion. Je vais améliorer ça, tiens. Non, mais franchement, c'est. Non, c'est autant pour moi. Par contre, j'ai gâché mon attaque spéciale, un truc de malade. C'était méchant. Méchant de chez méchant. Voilà. Donc dans 8 secondes, ce qui succède à obtenir par coup. C'est cool ça. C'est vrai qu'il faut que je pense à activer un petit peu plus souvent mon truc là. En même temps, je peux plus rien acheter là. Parce que ça, c'est. Ça, on peut prendre que 6 objets hein, dans notre inventaire. Donc il y a plein d'objets. Après, chacun sa technique de jouer. Si t'as envie d'être force, t'achètes des objets force. Si t'as envie d'améliorer... Enfin voilà, c'est vraiment un objet... Il y a des objets spécifiques à chacun. Hein, après, c'est toi qui gères tes objets que tu veux ou que tu veux pas, quoi. Mais il y a tellement d'objets que les parties, elles changent tout le temps. Tu peux jamais faire deux fois la même partie, même si tu prends le même perso, même si t'améliores le même truc au même moment, tu prends les mêmes objets. Ça peut durer des minutes, genre 10 minutes de plus, alors que la fois d'avant t'avais fait trop long. Oh putain, cette fois mon gars t'es mort. Et mes mecs. Non mais c'est sérieux. Il est où ce PD? Mais mec, mais tu m'énerves toi. Bon tant pis, je vais m'attaquer à ça pour me venger là. Putain. C'est trop un connard ce mec. Rien que pour faire chier les gens, je vais faire un truc de bâtard. Quand j'aurai presque plus de points de vie, je vais faire... Bim. Headshot. Ouais, ça ne sert... Putain, en plus il revient le connard, c'est genre... Bon, très bien. Parfait, je suis mort. Eh mais mec, celui-là, là, le fantôme, là... ce mec, là, pédé connard de merde, là. Connard, là. Lui, mais mec, mais lui, j'ai envie de le buter sa mère. Je te jure quand j'arriverai à le buter, mais je gueulerai, ok? Donc soyez prêts à boucher vos oreilles. Et je me rends compte qu'on est bientôt à 20 minutes de vidéo. J'espère que là, que ça va bientôt se finir là, parce que j'ai pas envie que ça dure trop longtemps.
Parce que pour vous, c'est pas agréable de... Coucou toi. Pour vous... putain, pourquoi à chaque fois je veux aller là, mais en fait ça me sert à rien. Au pire, ce que je ferais si vraiment... parce que plus on monte de niveau, plus c'est long à se regène. Putain, il est là le mec. Je te jure, s'il vient là, j'aurai le temps de le buter. What? Qu'est-ce qui se passe? What? Il se passe c'est quoi là? J'ai pas tout compris. Comment je vous ai snob? Comment je vous snob? Comment je vous snob pas du tout en fait? Vous êtes des miards. Je suis en train de crever. Quoique en fait... Ah parfait, il y a les alliés qui viennent. Et ciao. Oh putain, c'est sérieux quoi. Et putain, on est trop là. Et là, on va les massacrer les gens. Je peux te dire, le premier qui dit qu'on massacre pas, je les bute. Allez, et tous sur cette tourelle les gens. Putain, comme on défonce. C'est le moment d'activer mes super machins. Comment on les a défoncés? Ok, lui il va se casser, je vais me concentrer sur... concentrer là. Comment c'est la grosse galère? Comment c'est la grosse bataille? Je vais m'attaquer à lui, lui au moins il se casse pas. Ok, je suis mort. Alors je cheat un petit peu, mais c'est pour que la partie aille un peu plus vite, parce que là franchement c'est beaucoup trop long. Déjà tous les déplacements, regardez ces déplacements de PD là qu'on doit faire pour aller jusqu'à leur base, c'est parfaitement chiant. Alors là je suis pas du tout à leur base, mais je préfère pas m'avancer trop au cas où il y a trop d'ennemis, puis je crève directement comme un débile. Ce qui me sert à... Putain, par ça je monte trop en point de niveau là, je me rends compte. En fait je veux direct attaquer les gros boss, puis au final ils me tuent, et au final c'est la grosse merde, je gagne pas de niveau. Parce qu'il faut les tuer hein, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Puis les petits pourris comme ça. Et mais mec, mais toi, tu m'attaques lui hein. Putain, mais pourquoi il se casse ce PD? Mais quel putain de merde ce mec. Mais ce mec, oh, mais je te jure, si je pouvais le massacrer sa mère, mais je le ferais, tu vois. À mon avis, il en a pas de mère, hein, je dis. Mais franchement, si je pouvais... Mais toi... Mais tu sers à rien avec ton électricité de PD, là. Putain, sa mère la topu, là. Je suis blasé, les amis. Je suis blasé. En plus, ça fait 20 minutes. Je suis blasé. Vous comprenez ça? Tiens, allez, on y va. Go, 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 là. Putain, en fait, il y a tous les ennemis qui sont là. J'en ai rien à foutre, il y a notre tourelle, ils savent même pas détruire les tourelles. Quoique, ils lui ont fait un peu de dégâts, j'avoue. Non, franchement, là, on les a bien affaiblis. Faut l'avouer. Attendez, les mecs, vous y allez sans moi? En même temps, ils sont arrêtés par ça. Moi, je suis le point bleu, là. Ça, c'est les gros balèzes avec, qui sont avec moi. Et les ennemis, on les voit pas. Sinon, ce serait pas drôle. En fait, là, on est genre tous en train d'aller massacrer, là. On est tous là. Je suis un poil en retrait, mais c'est pas grave. C'est un détail. Je me disais un truc, le E en fait, il sert à... Attaquez ça les mecs. Moi je vais attaquer lui. Putain, plus que 10 secondes pour activer mes deux trucs qui font trop de dégâts là. En même temps, on vient de massacrer le truc. Allez, activez mes machins. Yes, j'ai activé mes trucs. On va massacrer les gens. On massacre tout le monde. Là c'est mode bourrin là. Putain, j'ai de nouveau gagné un niveau quoi. J'ai rien fait, j'ai gagné un niveau. Génial. Eh mais là mec, on est tous là. C'est un truc... Oh, il est stylé lui. Eh mais toi mec, tu vas pas faire long feu hein.
Comment je lui ai mis trop de dégâts? Il y a tout qui a bugué les amis. Il y a trop de trucs. Ça lag. Je suis désolé, je pense que ça lag aussi pour vous. On détruit tout. Il y a trop. Le jeu il comprend plus. On est tellement balèze, il y a tout le monde qui est là et tout que le jeu il comprend plus. Le jeu ne comprend plus. Top! Mais arrêtez tout! Le jeu ne suit plus! En fait, je crois qu'on va gagner, j'aurais rien vu, tu sais. Parce que ça bug. J'ai même pas perdu de point de vie, c'est quoi ce what the fuck? Voilà, on a gagné, j'ai rien vu. Ça a tellement bugué. Bon bah au moins j'ai envie de dire on a gagné, hein. Je suis content. C'était plutôt vite fait, en même temps j'ai un petit peu cheaté au début. Mais j'ai même pas pu buter ce mec électrique là. Je vous jure que j'aurai ma revanche. Bon, ce sera pas en vidéo forcément. Mais je te jure, si je recroise ce mec, mais je me cheat, mais à mort. Je me give les 25 niveaux directs, je me give 999 000 milliards de millions de francs pour acheter les trucs les plus puissants. Et je vais à sa rencontre. Même s'il est dans sa base, je n'en ai rien à foutre. J'y vais. Putain, quel connard. Bref, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce vert, vous pouvez rejoindre les réseaux sociaux, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour voir toutes mes prochaines vidéos. En tout cas pour ma part c'est la fin et donc on se retrouve dans de prochaines vidéos. Putain le jeu lag à mort. On se retrouve dans de prochaines vidéos. D'ici là je vais bien, portez-vous bien. Ciao tout le monde, ce jeu lag à mort. Je crois que je l'ai fait crash.